Bon, Laurent, deuxième match reporté après celui de Paris la semaine dernière. Le MHSC ira pas à Nantes ce week-end. Bon, dans ce qu'on a pu entendre à droite à gauche, c'est un peu problématique pour l'équipe, pour le club même, au niveau des calendriers, hein, et du sportif aussi. Ben, ça l'est, et puis ça va le compliquer encore plus la suite de la saison. Effectivement, quand on est un match de retard, à la limite, pourquoi pas. Après, ça, on se retrouve avec deux matchs. J'espère qu'on n'aura pas trois matchs de retard à la reprise en janvier, ou trois matchs au moins par rapport à d'autres équipes. Donc, c'est vrai que c'est, à un moment donné, l'éthique sportive est un peu compliquée. Après, je comprends que la situation soit compliquée, tendue, et que bien entendu, les forces de l'ordre doivent prendre du repos et du recul. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est l'inégalité par rapport à d'autres clubs qui jouent, donc voilà. Mais bon, après, on va pas. Pas grave, hein. Il y a pire dans la vie. Mais c'est vrai que c'est dommage, et après, c'est. Voilà, c'est comme ça. Bon, il vaut mieux que ça arrive quand l'équipe tourne bien plutôt que d'être en fin de classement. Mais pour les ambitions sportives, c'est quand même un petit coup de frein. C'était sur le coup à chaud que vous avez réagi hier en disant que la Non, situation était morte entre guillemets. Mais... c'était pas après. Voilà, après on va jouer l'Olympique Lyonnais l'année prochaine, n'ayant pas joué depuis 3 semaines. Donc, c'est quand même autant les joueurs sont peut-être pas fatigués, mais il y a un rythme. Après, je suis pas technicien, c'est le coach en parlerait mieux que moi ou les joueurs. Mais donc voilà. Mais après, on va faire déjà que le match contre Lyon se joue. Ça serait déjà une belle chose et qu'il y ait un peu de monde à la Mosson pour au moins finir la saison de l'année et que. Une fois qu'on reçoit la feuille de Noël, puis en plus il y a plein de fêtes, il y aura un feu d'artifice, il y a plein de cadeaux, il y a plein de choses à faire, donc il y a une belle fête à faire. Et puis l'équipe, je pense, mériterait d'avoir un peu de monde pour la soutenir le dernier match de l'année. Mais c'est vrai, oui, effectivement, il y avait un peu pas d'énervement, mais c'est vrai qu'un match plus un match, à un moment donné, c'est vrai que c'est quand tu fais un travail dans un métier que tu peux pas le faire, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, enfin, il y a l'énervement, et puis tout en sachant que c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est. On prend du retard, on va avoir un match de janvier très compliqué, on joue tous les 3 jours, donc bon, on verra bien, mais c'est vrai qu'on était sur une bonne dynamique, et c'est des fois, comme je dis, même quand il y avait les inondations il y a 3-4 ans, mais il faut mieux jouer que laisser passer le temps. On l'avait laissé passer le temps à l'époque où Gégé Bernard était entraîneur, il était descendu, donc voilà, au football, il faut jouer les matchs, on les gagne, on les perd. Alors c'est vrai que tu joues pas Paris, tu te dis, bon, Paris c'est 0 point. Sur le principe, hein, même si on espère faire quelque chose à Paris. Là, c'est vrai qu'il y a l'entente en plus. Donc voilà, mais bon, je vois qu'il y a encore des reports. Marseille ne jouera pas non plus. Donc voilà, c'est dommage pour le football. Est-ce que ça peut, même éventuellement un report du match de Lyon ou juste ces deux matchs entre guillemets, ça peut induire un mercato hivernal différent pour Non, pas pallier plus. à l'accumulation des matchs? Non, on va pas recruter plus parce qu'on va jouer plus de matchs. On fera le recrutement qu'on a prévu de faire avec le coach depuis un mois. Ce qu'on a prévu de faire, on le fera, point. Vous verrez ce qui arrivera ou ce qui n'arrivera pas. Mais non, on fera avec. De toute façon, on va faire front. Après, c'est vrai que d'une belle saison, on ne voudrait pas que ça devienne une saison lambda. Mais bon, on va se battre. Et puis, j'espère qu'on va jouer samedi. Puis qu'on fera un beau match samedi contre l'Olympique Lyonnais. Regarde-toi.